Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pas d'âge pour coder. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous présenter comment créer une application. Donc ici, j'ai par exemple créé mon application Poké App, donc avec l'icône, etc. Et lorsque je clique dessus, en fait, elle va me permettre d'afficher les différents Pokémon du Pokédex qu'elle va récupérer sur Internet. Je peux accéder aux caractéristiques de chaque, donc son type, etc. Des informations précises. Ce que j'aime bien, je peux choisir de les capturer, c'est-à-dire les ajouter à mon Pokédex. Et de cette façon, je peux avoir accès à une collection de Pokémon. Donc, pour cette vidéo, vous n'aurez pas besoin d'avoir déjà codé. En fait, vous pouvez vraiment à partir du début. Ce que je vais faire, en fait, c'est que vidéo par vidéo, je vous indiquerai comment cela marche, comment on code, quelles sont les différentes parties à respecter. Donc, je vais vraiment y aller étape par étape, en commençant bien sûr du tout début. Et à la fin, vous serez en mesure d'obtenir une application similaire à la mienne, où vous aurez plusieurs onglets, vous pourrez voir, vous pourrez changer les designs. Et bien sûr, à la toute fin, vous pourrez également la publier sur l'App Store ou sur le Google Play Store au choix. Donc, n'hésitez pas à commencer cette série de vidéos. Donc, la saison 1 va couvrir toute cette application. Je ferai également une saison 2 où j'expliquerai comment rajouter des utilisateurs, c'est-à-dire comment s'inscrire sur l'application, comment créer un chat, comment envoyer des messages à d'autres dresseurs Pokémon. Et le but, c'est vraiment en allant étape par étape de vous initier en fait au code. Et à la fin, vous serez en mesure de comprendre plus en détail ce genre de ligne. Donc pour cette vidéo, vous avez besoin que d'une chose. Pour l'instant, c'est d'un ordinateur et de se motiver en fait tout simplement. Donc n'hésitez pas à lancer la seconde vidéo et bon code à vous. Merci beaucoup.